Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de scénario pédagogique. Donc, lors du précédent de la précédente séquence, nous avons parlé de l'élaboration des objectifs. Effectivement, les objectifs, ce sont les points de départ de la rédaction du scénario pédagogique. Donc, le scénario pédagogique, c'est le moment où le formateur va se poser pour décrire son intervention. En fait, tel qu'un scénariste, il va rédiger, on va dire, son scénario pour ensuite tourner son film, et son film, ce sera son intervention. Le scénario pédagogique est donc le fil rouge du formateur. Il va l'aider à se poser les bonnes questions, c'est-à-dire à bien poser un objectif pédagogique, ensuite à déterminer les contenus, les messages clés qu'il va vouloir faire passer. Il va également se questionner sur la manière dont il va les faire passer, donc les méthodes, les techniques, etc. Il va de ce fait-là mettre en évidence les activités qu'il va pouvoir mettre en œuvre pour les applications. Et il va également déterminer le matériel et les outils qui vont lui être nécessaires. Et tout cela dans une contrainte d'espace et aussi de temps. Donc, quand vous aurez terminé cette séquence, vous aurez atteint les objectifs suivants. Définir ce qu'est un scénario pédagogique. Écrire un scénario pédagogique. Pourquoi ? Effectivement, il est important que vous puissiez identifier les enjeux d'avoir un scénario pédagogique. Ensuite, vous allez identifier les différentes étapes et leur contenu. Nous rentrerons dans le détail de manière à ce que vous compreniez bien, parce que parfois il y a des confusions, vous verrez, entre, par exemple, les objectifs pédagogiques et le contenu. Donc on rentrera dans le détail. Et vous aurez aussi la possibilité de faire une mise en application, donc en rédigeant un scénario pédagogique. Et nous le corrigerons, bien sûr, et nous terminerons par un QCM. Donc voilà pour à peu près le déroulé de cette séquence.